What's up mes warriors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo réception. Et ouais les potos, aujourd'hui ça booste, hein. Il y a deux produits dans ce magnifique colis et ça vient de chez AliExpress. Donc il y a un t-shirt et un pantalon et je pense que vous allez kiffer. Donc attendez, je reviens tout de suite pour l'essayage. Pour l'essayage, bien sûr, il faut voir comment ça se présente à l'intérieur. Donc, je pense qu'on a ici le t-shirt qui déjà, au niveau de l'épaisseur, me déplaît fortement. Et là, nous avons le pantalon qui, d'épaisseur, me déplaît fortement. Donc, je pense que la vidéo va être un petit peu, comment dire, coup de gueule. Mais bon, ça serait pas étonnant, ça vient de chez AliExpress, donc c'est... Je peux m'en vouloir qu'à moi-même, donc voilà. Donc, pour les deux trucs, j'en ai pour 26 balles, hein, franchement, donc pour vous dire à quel point. Normalement, c'est un pantalon zippé, normalement, ça, c'est un t-shirt, vous savez, qui descend un peu jusqu'au coude et tout, assez stylé, normalement. Donc, écoutez, on va essayer ça, et puis je vous redis ce que j'en pense après. Et donc on se retrouve comme ça, donc je porte le haut et je porte le pantalon. Le pantalon, je vous mettrai une vue plus en bas pour que vous puissiez voir. Donc le haut, ne vous inquiétez pas, le t-shirt que je me suis acheté là, il a une coupe simple vers le bas en fait. Il descend légèrement, mais vraiment sans plus. Il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas de démarcation sur le côté pour dire que voilà, c'est un oversize, etc. etc. C'est vraiment un t-shirt simple, basique, du moins sur la coupe. Alors ça, il n'y a pas de, y a pas à chier plus loin, c'est du simple. Donc arrêtez, hein. Bon, ce qui change un peu plus de la moyenne, c'est que ça se porte beaucoup plus ample. Donc qui dit plus ample, dit forcément c'est un peu plus long que la moyenne forcément. Mais sur le nom, c'est pas oversize, donc ne croyez pas que c'en est un. De plus, les manches sont 4 fois plus grandes et en longueur aussi. Donc ça s'arrête au niveau du cou. Donc moi j'adore cette coupe au niveau des manches, c'est un truc que je kiffe. Donc voilà, je vous montrerai aussi bien évidemment un petit OOTD des familles qui fait plaisir à tout le monde. Comme ça vous aurez votre tenue si jamais vous avez le même haut et le même bas. Comme ça il n'y aura pas de problème. Donc bah maintenant écoutez, je vais vous montrer le pantalon. Avant ça peut-être que je vais vous dire ce que j'en pense. Écoutez, c'est agréable. Par contre ce que je comprends pas c'est que les coutures, pourquoi ils sont à l'extérieur, pourquoi ils sont pas à l'intérieur en fait, parce que là ils sont flagrantes, on dirait que je l'ai mis à l'envers. Je me suis posé la question, est-ce que je l'ai mis à l'envers le bordel? Mais non, je l'ai pas mis à l'envers, mais on voit les coutures comme ça. J'ai pas compris, mais bon, c'est peut-être pour le style, je sais pas, je comprends pas trop. Bref, donc franchement au porté, bah il est cool, il est vraiment cool. Par contre s'il est léger, j'aurais peut-être préféré un peu plus d'épaisseur. Mais sinon, à part ça, franchement, j'aime beaucoup. Ce qui me plaît dans ce pantalon, c'est que, bah écoutez, il est agréable. Hein, il est agréable, vraiment. Il colle à la peau. Mais le problème, c'est qu'en bas des fermetures, donc là, vous voyez bien, là, c'est mon mollet, ça colle très très bien. Et à partir de la fermeture, ça s'amplifie. Enfin, ils ont mis une largeur en plus. Et ça, je comprends pas du tout, parce que du coup, ça donne un effet blousé. Sur le bas, ça fait pas terrible quand on laisse les fermetures. Et ça, je trouve ça un peu con. Même si la base de ce genre de pantalon-là est bien évidemment de le laisser ouvert. Voilà, comme ceci. Hein. C'est forcément pour le laisser ouvert. Mais des fois, c'est quand même cool de le laisser fermé pour que ça donne un meilleur style et que ça donne un style, comment dire, plus affiné à vos jambes. Sinon, aux cuisses, j'aurais aimé un peu plus ample. Et beaucoup moins serré au niveau de la ceinture, parce que regardez la ceinture, c'est la même que celui de mon short que j'avais acheté de Justin. Donc forcément, ça c'est repris des pantalons Fear of God. J'aime beaucoup les languettes. Hein, les languettes, ça c'est, je trouve ça vrai, ça rajoute quelque chose quand même, ça rajoute du peps. Là j'ai pris du M et c'est énormément serré, mais vraiment vraiment. Voilà, donc prenez deux tailles de plus. Si vous aimez pas être serré, mais par contre forcément là ça sera hyper large, donc ça fera hyper moche, ça c'est une certitude. Après vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, je vais vous montrer un petit OOTD, comme ça vous verrez un peu ce que ça donne.
Donc voilà mes warriors, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très très bientôt, donc samedi prochain tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous. Peace, mais pas sur moi. Oublie pas de lâcher un gros like et de laisser des commentaires. Salut.